Salut tout le monde, c'est Jolatte, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Subnautica. Vous avez été nombreux à me proposer une série sur le jeu et bah ça tombe très bien puisque j'avais envie d'y jouer. Et ouais, ça m'a pris d'un coup, je me suis dit tiens, je démarrerai bien Subnautica. Et bah c'est parti. Alors j'avais déjà fait une série dessus il y a longtemps, vous pouvez d'ailleurs la retrouver juste ici, il y a la playlist. Alors si vous allez voir la playlist, dites-vous bien que les vidéos datent d'il y a longtemps. Donc bah c'était il y a longtemps quoi. Si vous êtes chaud pour une petite série sur le jeu, bah n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, pourquoi pas la partager, ça me ferait plaisir. Allez c'est parti, let's go, nouvelle partie. Survie. Bien sûr, la survie. Alors, Eknon World Entertainment Present. Petite animation dès le début. Ça, c'est une des nouveautés du jeu. Avant, il n'y avait pas d'animation. Du moins, la dernière fois que j'ai joué, il n'y en avait pas. Ah si, j'y avais joué une fois en live Twitch. Je crois qu'il y avait déjà l'animation. Oui, parce que depuis, je l'avais redémarré une fois. Une ou deux fois, d'ailleurs. Mayday, mayday. On est en train de s'écraser, mon vieux. C'est délire. Il y a tout qui vole dans la capsule. C'est un truc de malade. Je l'ai pris en pleine gueule. D'accord, fais péter l'extincteur, on va éteindre tout ça mon vieux. Vas-y, vas-y, t'inquiète. Allez hop, il tape le code. Impeccable. Vas-y, donne-moi ça. Allez. Merde, bah j'ai tout balancé dans le vent mon vieux. Et hop, c'est bon. Et bah voilà. Impeccable mon vieux, j'ai tout éteint, nickel. Augmentation des niveaux de radiation locale détectée. Constatation d'une évolution cohérente en lien avec la détérioration continue de la matérielle, de la matière noire du noyau principal de l'Aurora. L'Aurora c'est le gros vaisseau, vous allez voir. En raison des dommages subis durant l'impact, reprise de la surveillance. Ça marche, ça marche, ça marche. Pourquoi pas, ça peut être sympa ouais. Donc on est en mode survie, donc là on aura l'oxygène à gérer. On aura la bouffe à gérer. On aura l'eau à gérer, et c'est tout. Et puis la santé bien sûr. Donc alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a toujours notre coffre, on va mettre ça dedans. Bloc de nutriments, d'accord. Fusée éclairante, ça c'est pas mal. Eau filtrée, ça c'est pas mal. Et on a l'extincteur. Ici, on a un kit de soins, ça c'est cool. On va le prendre, on va le mettre. On va le mettre dans le kit de soins, non? Ah oui, bien joué. Maintenant que je l'ai pris, super. Bon, c'est pas grave. On va le poser dans le coffre. Allez, fais péter. Donc, on va aller voir à quoi ressemble notre monde du dessus. Je vais vous montrer ça. C'est magnifique. Là-bas, c'est l'Aurora. C'est le vaisseau dont je vous parlais. Et c'est plutôt cool. Vas-y, fais péter mon vieux. On plonge. Oh le plongeon. Un truc de fou. Casser ce bloc, casser le bloc de calcaire. Alors ça c'est les minerais. Va falloir, pour commencer dans un premier temps, et va falloir se blinder de minerais. Donc on va en ramasser pas mal. Alors pour les personnes qui connaissent pas, Subnautica c'est quoi? C'est un jeu de survie en monde aquatique, comme vous pouvez le voir. Et du coup on s'est écrasé sur une terre inconnue. En mer inconnue avec notre petit vaisseau spatial là, notre petite capsule. Attention la détérioration, nager vers la surface. Ouais. Ah ouais, j'avais plus beaucoup d'oxygène. Et du coup bah va falloir survivre dans ce milieu aquatique, mais qui n'est pas tout beau tout rose, puisque va y avoir quelques hostilités. Il y a ici toi salopard. Alors ça c'est des poissons, ça va nous servir à avoir de l'eau. Alors c'est possible que durant les vidéos vous voyez 3-4 petites lagouilles. Bon bah c'est pas bien méchant hein, ça peut arriver. Disons que le jeu est en cours de développement, il n'est pas bien fini. Et bon, c'est pas bien méchant, c'est cool. Merde, on va remonter, je vais me noyer. Voilà, fais péter. Impeccable. On va replonger, on va aller chercher des minerais. Ça, pour l'instant, je vais pas en prendre. Ça, c'est les champignons, c'est les chumrun, si je me souviens bien. Un champignon acide. Ah bah oui, le jeu, il est en français, c'est vrai. Ça, on va prendre, fais péter. Ça, on va prendre, ouais, vas-y. C'est surtout les minerais. Voilà, au début, faut surtout se blinder en minerais. Ça, c'est quoi? Ça, c'est du sel, je crois. Ouais, dépôt de sel. Je prends. Ouh, ça, je me casse. Ouais, ouais, je connais. Il va exploser. Voilà. Impeccable, c'est bon. Ça, je prends parce que... Il est ici, salopard. Ça va nous servir à faire de l'eau. Ça, je prends le quartz. Ça va nous servir à faire du verre. Très important. Oh merde, oh merde, oh merde. Oh merde, on va déjà se noyer, mon vieux. Bah, dès le début, ce serait con. Avertissement, l'examen des radiations locales indique des caractéristiques similaires de la détérioration. D'accord. Regardez ça, il y a du minerai. Ça, je prends. Le minerai. Vas-y, donne-moi ça. La ferraille pour l'instant, non parce que ça va m'encombrer l'inventaire. Ouais la ferraille vous avez vu, ça me prend 4 places à chaque fois hein. Ça je crois qu'il me faut un outil pour le scanner. L'outil je l'ai pas. Urgence, l'analyse sismique indique. Indique quoi? Ah oui, oui c'est vrai. Il va y avoir un truc de fou là. Regardez, il va y avoir un truc de fou. Ça va péter là-bas, regardez ça. Et là, je peux te dire que ça va irradier l'océan, là. Regardez ça. Regardez comment c'est un truc de malade. C'est en train de tout irradier. C'est un truc de dingue. Viens là, toi, salopard. Regardez, on va faire cuire ça, là.
Bon, petits oignons, ça va être bon, ça. Chercher à manger. Ah ouais, bah tu m'étonnes. Regardez, on va essayer de se trouver de la nourriture un petit peu, parce que là, franchement, regardez ça, là. Hein? Ils m'ont l'air bien juteux, ceux-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Donne-moi ça. Voilà. Regardez, je suis perdu. Hop, hop là. Viens ici. Dans la poche, ça c'est bon. Il y a encore un petit minot ici. Fais péter. Donne-moi ça. Impeccable. Oh, regardez ça, la planète. C'est un truc de malade. On dirait qu'elle est juste à côté de nous. Bon, on va retourner au pod. Bien tranquillement. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, bah déjà, on va faire un peu de cuisine. Tranquillement. Voilà. On va faire cuire ça gentiment. Regardez ça, comment il a l'air bien succulent ce machin. Il a l'air appétissant. Hein. Alors, faut noter qu'à chaque fois qu'on fait cuire un truc, ça nous prend du sel. Donc du sel, on peut en trouver un peu partout dans les fonds marins. Mais faut chercher quoi. Du titane, vas-y, fais péter du titane. Bon ouais, écoutez, tranquillement, on va faire une bouteille de plongée. On va même en faire deux. Vous pouvez voir en bas à gauche que ma barre d'oxygène remonte grâce à ça. Fil de cuivre, vas-y, on va faire du fil de cuivre. Ça peut servir, pourquoi pas. Bon, ok, parfait. Ça, on va le manger. Ça, on va le manger. Ok. Et on va aller rechercher des minerais. Regarde, tiens, il y en a un là. Ça tombe plutôt bien. Mais ce coup-là, on a plus d'oxygène. Donc on va pouvoir aller plonger plus profond encore. On va pouvoir aller explorer les abysses. Ça va être un truc de malade. Wouh! Dégage! Oh le salopard, mon vieux! Oh ce qu'il m'a mis! On va plonger là-dedans, tranquillement. Putain, c'est noir par là, il nous faudrait une petite torche aussi. Ici, ça va sortir. C'était sûr, on va monter. Regardez ça, mon vieux. Il y a des espèces de phoques avec des machins bizarres. Oh, regardez, il y a des minerais là. Vas-y, donne-moi ça. Titane, je prends. Voilà, fais péter un peu tous les minerais là. Oh, regardez, il y en a même au-dessus. C'est un truc de malade. Il y en a partout. Ah, c'est vraiment un travail de fourmi, Subnautica, mon vieux. Faut aller charbonner un petit peu pour ramasser les minerais. Oh putain, ça par contre. Oh oui, 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 je l'ai entendu. Non! Dégage! Ouais, je l'ai esquivé. Du sel, ça je prends, mon vieux. Regardez-moi ça, celui-là est tout mignon, il est tout beau, il est bien succulent. Il me fait de l'œil. Hop, viens ici. Salopard, y'a là, voilà. Regardez, c'est quoi ça? Regardez ça. Je prends, je sais pas ce que c'est, mais je le ramasse. À mon avis, ça va servir. Regardez, y'en a un autre là. Merde, ouais, je vais remonter. Un œuf de créature, mon vieux. C'est délire. Par contre, je me casse. Hein. On a plus beaucoup d'oxygène. J'en suis où dans mon inventaire? Ouais, je peux faire encore un petit tour vite fait. Bon, bah écoutez, tranquillement, on a bien charbonné là. Bon, on va retourner au QG. Hein. Ouais, ouais. Hein. Qu'est-ce qu'il dit l'inventaire? Oh, bah il dit qu'il est. Il est bien garni. Il dit qu'il est bien garni et il dit qu'il va attraper celui-là là. Voilà, ça c'est bon, les petits poissons comme ça là pour faire de l'eau. Voilà, impeccable, nickel. Alors, qu'est-ce qu'on va faire un petit peu? Eh ben, déjà on va se faire un petit gueuleton pour commencer. On va faire de l'eau. De l'eau filtrée, de l'eau désinfectée. Bon, bah on va faire de l'eau filtrée. On va faire cuire des petits machins comme ça. Ça en petite grillade à l'apéro. Un régal, mon vieux. Ok, côté équipement, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on peut pas faire grand-chose, mon vieux. Tout simplement. On va mettre 2-3 trucs dans le coffre là, histoire de. Eh ben voilà, ça y est, j'ai plus de place, mon vieux. Un œuf non identifié. Ah ouais? Et qu'est-ce que j'en fais moi avec ça? Hein? Déjà on va manger ça. Au filtré on va boire ça. Oh regardez ça, on peut faire une armoire imperméable. Vas-y mon vieux, je la fais. Yes, ça va flotter sur l'eau ça. Fais péter, on va la mettre là. Normalement, voilà. Eh bah ça c'est cool tu vois, ça nous fait un petit truc tranquille là. Pour mettre 2-3 trucs dans le coffre là. Ça dépanne carrément. Regardez c'est quoi ça? C'est quoi ce machin? Ramasser œuf de créature. Vas-y, donne. Ah bah attends c'est Il est bizarre mon vieux celui-là. Ça se trouve on va élever des créatures et du coup... Non! D'accord. Ok, très bien. Regardez, regardez sur quoi je suis tombé, c'est quoi ça? Mais dégage toi! C'est quoi ça? Une base abandonnée mon vieux. Une base abandonnée, c'est quoi ça? Ouais, je vais remonter, je vais remonter. Je remonte, tranquille, ça va. C'est bon, c'est cool. Voilà! Bon allez, on est retourné à la base, c'est impeccable. Allez, dis-moi que je peux construire des trucs de malade un petit peu là. Hein. J'ai des trucs de fou là, j'ai ramené de la ferraille et tout mon vieux. Il veut pas que j'enlève mon slip pour crafter des palmes non plus, non? C'est bon là? Non? T'es sérieux? Attends, comment que ça se fait que... D'accord, j'ai ramassé masse de ferraille. Je peux rien faire mon vieux. Ah si! Je peux faire ça là. Excellent, trop fort. Vas-y, on va faire un tuyau. On va en faire même plusieurs si on peut. Et ça va me servir à quoi les autres créatures là? Hein? Bah on va faire péter des lingots maintenant hein. Allez vas-y, 10 titanes pour faire un lingot. Regardez, normalement les tuyaux, si je ne m'abuse, je vais vous montrer. Par exemple, j'en mets un là. Voilà, ça c'est cool. Voilà. Regardez les grands tuyaux, mon vieux. Regardez ça, le tuyau de malade que j'ai fait. Ça veut dire que si je veux respirer là, en fait, voilà, je peux respirer ici sans remonter à la surface. Ouais, c'est bien pratique, franchement. Regardez ça, il y a des bulles d'air qui sortent de là. À mon avis, peut-être qu'on peut respirer là-dedans, non? Ah ouais, trop fort. Un œuf de créature. Non, mais je vais faire un élevage au bout d'un moment, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas que ça à foutre de ramasser des œufs de créature, moi. Bon, surtout que pour le moment, je sais même pas encore à quoi ça sert. Donc, si vous savez à quoi ça sert, eh ben, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est bien cool. Regardez, du sel. Donne-moi ça. C'est quoi ça? Dégage! Oh putain! Il m'attaque! Oh putain, il me lâche pas! Oh, il m'a lâché! Ce délire, regardez ça là! Regardez ces gros machins, mon vieux! Oh, il y a des méduses là-bas! Je déteste les méduses! C'est un truc de malade, ça, c'est vrai! Je déteste les méduses en plus! En vrai, hein!
J'aime pas ça. Je sais pas pourquoi, c'est une espèce de phobie. Putain, dégage. Alors ouais, c'est une espèce de phobie les méduses. Je sais pas pourquoi, mais j'aime pas ça. C'est quoi ça, mon vieux? Hein? Je te dis, il y a une espèce de baleine là, je sais pas quoi. Dégage! Regardez, il y a une espèce de baleine là-bas là. Elle est énorme, mais je crois qu'on peut pas y aller maintenant. On va retourner à la base bien tranquillement. Vas-y, fais péter là. Allez, je peux faire un truc ou comment ça se passe là? Ah, ce qui serait bien aussi, c'est qu'on fasse un couteau là. Le couteau, ça c'est très important, ce serait bien à voir. Et pour faire ça, il nous faut du caoutchouc en silicone. Et le caoutchouc en silicone, il nous faut des graines de vigne de Rhin, x2. Intéressant, pourquoi pas. On va aller chercher ça. Les graines de vigne de Rhin, c'est les machins verts. On va aller voir ça tout de suite. Putain, c'est pareil, j'ai faim là. Regardez, les vignes de Rhin, ça c'est ça, c'est les grands machins verts. Avec ça, on devrait pouvoir faire le couteau. Voilà, c'est les machins jaunes, je crois. Vas-y, fais péter. Dégage, toi. Voilà, c'est ça là. Donne-moi ça. Oh, putain. Dégage, on est en train de se faire démonter. On a ce qu'il faut, on retourne à la base. On retourne direct à la base, on fait le couteau. Direct, cache, on cherche pas. Allez, vas-y, fais péter, remonte là-dedans là. Voilà, alors montre-moi ça un petit peu. Caoutchouc en silicone, eh ben on va t'en faire du caoutchouc en silicone. T'inquiète. Lubrifiant, graines de vigne d'orin. Non, non, je m'en fous ça. Voilà, moi je veux ça. Voilà, fais péter un truc comme ça, pas de soucis. Nickel. Fais péter le couteau, voilà. Là on est d'accord. Là, ok, ça marche. Là c'est cool, tu vois. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben on va faire du lubrifiant un petit peu. Voilà, maintenant qu'on a fait le couteau, c'est cool. Magnésium, vas-y. Ah, quoi que j'aurais dû le garder. Ah, j'aurais dû le garder pour faire de la bouffe ça. Mais non. Merde, j'ai tout utilisé moi. C'est pas grave, on va refaire du caoutchouc. J'ai quoi déjà dans ma petite armoire flottante là? Alors j'ai quoi là-dedans? Ah bah c'est pas vrai mon vieux, elle est où? Elle est là. Ah bah je suis en train de la bouger dans tous les sens mon vieux. C'est pas vrai ça. Il y a quoi là-dedans? Il y a ça, ok. Ça je sais pas à quoi ça sert les œufs de créature là. Franchement je sais pas. En tout cas, ce qui est cool, c'est que maintenant... Alors, qui c'est qui veut faire le malin, là? Qui veut faire le malin? Ça, par contre, on va ramasser. Ça se mange. Si je ne m'amuse. Il me semble que ça se mange. Non? Ça se mange plus? Avant, ça se mangeait? D'accord. Ok, bah avant, ça se mangeait. Hein. Et, en tout cas, un truc qui est sûr qui se mange, normalement... Enfin, avant, ça se mangeait, c'est les vignes de Rhin. Ça se mangeait les machins verts. On va aller voir ça. Voilà, impeccable. Ça, normalement, ça se mange. Si je le coupe, en tout cas, avant, ça se mangeait. Est-ce que tu peux toujours faire ça maintenant? Vas-y, fais péter. Donne-moi ça. Voilà. Normalement, ça se mange. Ah, bah oui, ça se mange alors. Et puis, c'est même très bon. Regardez ça. Regardez ça, comment que c'est bon, mon vieux. Qu'est-ce que c'est bon. Regardez ça. Vital signs. Warning. Oh. Blood loss detected. Emergency. Oh. Starvation imminent. J'ai mangé quoi là pour que ça redescende comme ça d'un coup? Je crois que j'en ai trop mangé, non? C'est pas ça? Attendez. Voilà, vas-y, fais péter. Donne-moi ça. Voilà, on va en manger. On va remonter. Remonte tranquille. Voilà, tranquillement. L'enfoiré! L'enfoiré! Bon, très bien, écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ce fut un épisode redécouverte. Donc, faut vraiment que je me remette dans le bas du jeu. Si vous avez des petites astuces sur le jeu, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, pourquoi pas la partager. Et dites-le moi également dans les commentaires. Et puis, on s'en refera une partie tranquillement. Sur ce, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et ciao tout le monde, bye!